Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une protéine qui est très sollicitée par la gente féminine. Apparemment, cette protéine peut traiter les problèmes d'irrégularité de teint, peut donner un joli teint, peut lutter contre le signe de vieillissement. Vous l'aurez compris, c'est vraiment un protéine à avoir sous la main. Bienvenue à toi, si tu viens tout juste d'arriver sur ma chaîne, je m'appelle Bintou, je suis l'experte de l'épiderme, je suis ta coach beauté. Alors si tu viens tout juste d'arriver sur ma chaîne, je t'invite à t'inscrire et surtout de cliquer sur la cloche. Alors, de quelle protéine s'agit-il? Alors, je suis sûre qu'il y en a plein qui le savent. Et si toi tu ne le sais pas, je te parle du collagène. Alors, le collagène est une protéine de structure de la peau. C'est grâce à cette protéine que ta peau a la fermeté, a de l'élasticité, que ta peau est beaucoup plus jeune parce que c'est en fait une protéine qui maintient tes tissus. Mais avec le temps, il y en a qui disent dès l'âge de 25 ans, ça c'est plutôt pour les phototypes 1 à 2, donc les phototypes blanche, qui avec le temps, dès l'âge de 25 ans, apparemment, ça diminue. Et lorsque ça diminue, ça fait quoi? Du coup, ça crée un relâchement cutané, mais pas que. Mais avant de vous parler des causes, je vais vous parler surtout des bienfaits de cette protéine à ne surtout pas négliger dans votre routine beauté, la nutri-cosmétique, parce que la beauté aussi de l'intérieur. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que cette protéine permet de maintenir vos tissus, permet de bien hydrater vos tissus. Grâce à cette protéine, il y a une meilleure absorption de l'hydratation et il évite l'évacuation d'eau au niveau de vos tissus. Donc, ensuite, vous devez savoir aussi que cette protéine a une action aussi antioxydante. Elle va protéger votre peau des radicaux libres, de toutes ces attaques extérieures qui viennent en fait diminuer sa résistance face à différents facteurs comme les rayons ultraviolets, comme le tabac et comme la glycation, ça passe par l'alimentation. Je vous ai fait une vidéo je pense que c'était la semaine dernière, je vous ai parlé en fait de l'action du sucre sur vos protéines. Donc si vous voulez, je mettrai le lien ci-dessous cette vidéo. Donc en fait, ce que vous devez aussi savoir, c'est que en ayant suffisamment cette protéine au niveau de votre peau, ça permet en fait de maintenir une peau beaucoup plus jeune parce qu'elle contribue à la régénération de vos cellules. Elle permet de bien maintenir l'hydratation au niveau de vos cellules et elle permet aussi de structurer vos cellules. Et tout cela, ça permet d'avoir une peau uniforme, une peau qui est bien ferme, bien tonique et beaucoup plus jeune, enfin qui permet de maintenir aussi la jeunesse de votre peau. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que vous devez au moins prendre minimum 20 grammes. Ce qui est recommandé, c'est de prendre 20 grammes par jour de cette protéine parce que avec le temps, ok, ça diminue. Et quand ça diminue, on voit que la peau, elle est beaucoup plus fine, le teint est beaucoup moins lumineux, le teint est plus terne et on voit aussi le relâchement cutané, on voit moins de fermeté. Donc du coup, il faut aider votre peau à recréer donc du coup cette protéine. Et pour cela, vous avez besoin d'intégrer dans votre routine beauté des compléments alimentaire. Alors, c'est le meilleur moyen de vraiment restructurer cette protéine, c'est à travers les compléments alimentaires. Donc, maintenant qu'on parle de collagène, il faut prendre des compléments alimentaires à base de marine collagène. C'est vraiment celui qui se rapproche plus de notre collagène naturel parce qu'il est fabriqué naturellement par notre organisme. Mais, donc, le marine collagène se rapproche
d'accord, de ce collagène qui est créé par notre organisme. Et du coup, vous allez aider votre peau à rester plus jeune plus longtemps. Vous allez aider votre peau à mieux se défendre face aux rayons solaires. Okay? Vous allez aider votre peau à être beaucoup plus ferme, à être beaucoup plus tonique, d'accord, à avoir un teint beaucoup plus lumineux. Parce que quand vous avez suffisamment de collagène, bah du coup, ça agit au niveau même des tissus. Oui, donc ça restructure vos tissus, ça permet une meilleure régénération de vos tissus. Donc c'est vraiment, vraiment une protéine que toutes les femmes devraient avoir à la maison. Il est vraiment indispensable. Alors, où est-ce que vous pouvez trouver donc cette protéine? Vous pouvez la retrouver dans le Skinoxy Caps, les compléments alimentaires de la marque Biolissime. Et ce que vous devez savoir, c'est que le marine collagène, dans cette formule, il y a 150 mg. 150 mg de marine collagène. Vous imaginez un peu? C'est pas super ça. On recommande 20 mg. C'est tellement rare, oui, d'en trouver avec ce dosage-là. Là, franchement, vous avez 150 mg, plus d'autres vitamines, plus d'autres protéines, des acides aminés, comme le glutathion. Parce que du coup, le marine collagène va aider votre glutathion à mieux produire, à synthétiser. Il va aider en fait votre organisme à synthétiser le glutathion et à même produire un peu plus de glutathion. Donc, c'est super. Et le glutathion, c'est le meilleur des antioxydants. Mais je ferai une autre vidéo pour vous parler du glutathion. Aujourd'hui, c'est le marine collagène. Donc, si toi aujourd'hui, tu cherches vraiment à tout protéger des signes de vieillissement de la peau, à lutter contre les signes, enfin, voilà, les rides, le teint terne, le relâchement cutané, bon, tu as bien compris, ok? Tu peux prendre ces compléments alimentaires, ok? Si tu as un âge avancé et tu n'as jamais pris de compléments alimentaires à base de marine collagène, ben, c'est pas grave, tu prends le Skinoxy Caps, il est complet. Tu as suffisamment de vitamines et acides aminés, des antioxydants. Tu as vraiment de tout. Tu as même de la cystéine. Donc, ça agit sur les cheveux et sur les ongles. Moi qui, tout le temps, mes ongles se cassent. Bah là, grâce à ces compléments alimentaires, je peux te dire que je vois vraiment une différence. Donc, du coup, n'oublie pas de prendre ce complément alimentaire. Tu en prends un par jour. Tu peux les prendre jusqu'à 6 mois, ok, ensuite tu arrêtes 2-3 mois et tu reprends. Et surtout, n'oublie pas de boire énormément et de réduire ta consommation de sucre pour éviter l'effet glycation qui détériore, qui tue, oui, qui tue vraiment parce que ce sont des protéines, enfin c'est le sucre qui va s'attaquer à ce protéine, à ce collagène. Donc du coup, on va limiter les dégâts. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Alors, si tu as besoin de conseils beauté, tu es un peu perdu avec les produits, tu aimerais avoir une routine, voilà, donc n'hésite pas à me contacter. Je mets le lien ci-dessous. Et quant à moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo dans la semaine. Merci.